J'ai décidé de montrer que le chaos, c'est pas le bordel. Que le chaos, c'est un ordre qui émerge. Et, et j'ai décidé de montrer qu'on pouvait être acteur. Et qu'il n'y a jamais eu autant de raisons d'être acteur dans ce monde chaotique parce qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir individuellement. Je montre pourquoi et comment euh, le, le, le monde est devenu chaotique. Après, ben, je me suis dit, si le monde est devenu chaotique, peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer euh, des choses les plus récentes euh, dans, dans l'approche scientifique, c'est-à-dire les théories du chaos, et de voir s'il n'y a pas des trucs dont on pourrait se servir, mais se servir dans la vie quotidienne, quoi, pas des trucs qui restent trop, euh, trop nébuleux. Les outils, c'est euh, comprendre pourquoi et comment le monde est devenu chaotique. On est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus connecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui peut se passer? Ça veut dire que c'est un monde qui est à la fois de plus en plus sensible à des petits événements. L'effet papillon. Chacun d'entre nous, on n'a jamais eu autant de pouvoir. Comprendre que le monde est devenu ce que j'appelle fractal. Il faut aller vite, vite, vite regarder qu'est-ce que c'est qu'une image fractale. Parce qu'un enfant de, de, de 8 ans, il a vu une image fractale. Il en voit partout. Si vous en voyez 3 ou 4, vous en verrez partout. Et vous serez capable de voir le monde comme il est. Le, le, et le troisième outil, c'est comprendre que le monde peut s'écrouler. Il peut y avoir effondrement, on peut s'effondrer individuellement, on peut s'effondrer collectivement, et il peut y avoir une ou plus exactement des incroyables émergences. Il est devenu chaotique le monde parce qu'on euh, est beaucoup plus qu'avant et on est beaucoup plus connecté. Il y a 150 ans, on était un milliard à peu près sur Terre. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Et ça, ça change tout. On pourrait dire que nos parents ou nos grands-parents vivaient dans un monde vide et nous, on vit dans un monde plein. On est beaucoup plus nombreux. En 30 ans, c'est-à-dire une demi-génération ou un tiers de génération de, de, de vie humaine, la population humaine a doublé. Et ça, ça s'est jamais vu dans l'histoire de, de l'humanité. Et, et on va voir que ça change tout. On est de plus en plus nombreux. La deuxième chose, c'est qu'on est de plus en plus connectés. On est connectés d'abord physiquement. Euh, on dit que la moitié de la population mondiale vit en ville. Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, on vit de plus en plus les uns à côté des autres. Moi, j'ai ma petite maison en Ardèche, le premier voisin, il est à deux kilomètres. C'est n'est quand même pas pareil que quand je suis à Paris et que j'ai des voisins tout autour de moi. On rencontre les gens, on se bouscule, on les rencontre tout le temps. On les rencontre en vrai, on les rencontre en vrai dans les villes, on voyage de plus en plus, on n'a jamais autant voyagé. Au moment où on parle, là, il y a un million de gens qui sont dans des avions. À chaque instant où on parle, il y a un million de gens qui sont dans des avions qui vont rencontrer l'autre. L'autre à l'autre bout du pays, l'autre à l'autre bout du monde. Et puis, bien évidemment, c'est une évidence, on est de plus en plus connectés de manière virtuelle. 2014 va quand même être une année assez exceptionnelle, puisque c'est l'année qui va voir plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Et ça, ça, ça s'est jamais vu. Il va y avoir plus de 7 milliards, je ne sais pas, c'est peut-être déjà, déjà dépassé maintenant, au moment où on parle, plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. On est de plus en plus nombreux et on est de plus en plus connectés. Et ça, c'est les conditions pour faire un monde qui peut devenir chaotique. Et je pense que le monde, il est devenu chaotique, et on le voit avec plein de choses euh, qui font qu'on trouve que ça va de mieux en mieux, et ça va de plus en plus mal en même temps, et j'ai envie de rajouter, ça va de plus en mieux, de plus en plus mal, et de plus en plus vite. Ça, c'est la première chose que je vais vous transmettre. Il y a un autre truc qu'on apprend euh, dans les théories euh, du chaos, euh, c'est ce qu'on appelle la sensibilité aux conditions initiales, ce que tout le monde presque connaît sous le nom d'effet de papillon. Pourquoi Parce que quand le système est devenu hors de contrôle, là, comme le thermostat fou qui chauffe de plus en plus quand il fait trop chaud, tout devient très sensible. C'est-à-dire que la moindre petite cause peut avoir un énorme effet. D'où ce qu'on appelle effet papillon. Euh, si un papillon bat de l'aile en France, euh, il peut déclencher une tempête à, à, à l'autre bout du monde, en Amazonie euh, ou à New York. Scientifiquement, je peux démontrer que parce que le système est devenu chaotique, nous n'avons jamais individuellement eu autant de pouvoir. Quand le système est à l'équilibre, ou proche de l'équilibre, quand il oscille, pour faire changer les choses, pour changer le monde, si on a envie de changer le monde, il faut être très puissant. Et très puissant, ça veut dire quoi bah, Selon les époques, ça veut dire être beaucoup, ça veut dire être très riche, ça veut dire être la force, avoir la force physique, aujourd'hui la force financière, et plutôt je devrais dire hier la force financière. Dans un monde chaotique, avec l'effet papillon, Chacun d'entre nous n'a jamais eu autant de pouvoir. Les futurs souhaitables, ils sont là. C'est d'être capable d'aider tous les petits papillons qui sont en train d'émerger partout. Moi, c'est ce que je vois dans le monde. Je vois plein d'actions. Il suffit d'aller euh, euh, sur le site dont passe à l'acte. Pour moi, je vois tous ces petits papillons. Voilà. Pour moi, c'est des petits papillons. Euh, ce sont des émergences. Et je ne crois pas forcément à une énorme émergence, que c'est toutes ces petites émergences qui vont créer une nouvelle manière de, de vivre ensemble. Mais je ne pense pas qu'on va décider une nou nouvelle manière de vivre ensemble et qu'elle va découler. Ça, c'est l'ancien monde. Ça, c'est l'ancien monde, ça marche plus comme ça dans un monde qui est devenu euh, chaotique. Dans un monde qui est devenu chaotique, c'est voilà tous les petits papillons qui vont créer euh, plein de petits futurs souhaitables, qui vont créer leur propre émergence et ça ça va créer des, même pas une des émergences des manières de vivre ensemble. Ce que je peux apporter, euh, c'est aux gens qui soit sont témoins euh, d'effondrement, ou soit qui se sentent un petit peu euh, effondrés. Et tous, il y a des moments, on a des petits moments euh, d'effondrement. Et là, non, là, 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 ouais, là, j'ai envie de leur dire, non, 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 il peut y avoir effondrement ou il peut y avoir émergence. D'ailleurs, dans, dans nos vies personnelles, on passe par ces phases-là. On a des phases d'équilibre. Tout va bien. On a des jours meilleurs que d'autres. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des jours moins bons que d'autres. Il y a des mauvaises nouvelles. On est malade. On est en forme aujourd'hui. On est à l'équilibre où ça oscille. Bonjour, mauvais jour. Pas trop loin de l'équilibre. Et puis, on, on peut vivre dans la vie des phases beaucoup plus chaotiques. Euh, des crises. Euh, des crises majeures. Euh, des crises personnelles. On peut perdre son emploi. On peut perdre un être cher. Euh, on peut perdre euh, euh, du, du, des choses auxquelles on était attaché euh, matériellement. Et bien là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on revoit... Comme dans les théories du chaos, on peut s'effondrer. On peut s'effondrer. Et, et beaucoup de gens s'effondrent après de graves crises comme ça. Il y a des gens qui ne se remettent pas de grands chocs, que, de gros chocs émotionnels. Ou on peut émerger. Et, et, et pas, on, on le dit toujours, une crise, ça nous rend plus forts ou ça nous tue. Et ça revient exactement au même. Et donc ce que j'essaie de transmettre, voilà, ok, là il y a une crise, il y a une crise, mais, mais il y a aussi euh, impossible. On va, en, tu peux traverser cette crise, tu peux t'effondrer. Mais tu peux aussi être acteur de ton propre changement, de la même manière qu'on peut être acteur du changement de la société. On peut être un petit papillon, on peut être son propre acteur du changement. Donc ce que je dis aux gens, c'est voilà, soyez acteur du changement. C'est ce que je me dis moi tous les jours quand j'y crois plus, que je suis pas de bonne humeur, ou que je me dis on va pas y arriver. Hein. Un autre exemple qui est, qui est, qui est super simple, euh, c'est quand on se pose les questions est-ce qu'il faudrait faire ça ou ça. Euh, Est-ce qu'il faudrait euh, parler euh, aux politiques ou parler aux gens euh, à la base Est-ce qu'il faudrait... Euh... Moi, je réponds, il y a un truc très très simple que nous apprennent les théories du chaos et la plupart des grandes euh, philosophies ou, ou spiritualités depuis euh, quelques milliers d'années, c'est qu'il faut abandonner le « ou », il faut se mettre dans le « et euh, ». Et ça, on n'a pas appris ça. Pourquoi Parce que dans, dans, dans un monde euh, linéaire, que j'appelle linéaire, linéaire c'est-à-dire proche du contrôle, bah, il fait chaud ou il fait froid. S'il fait froid, on met le chauffage, s'il fait chaud, on arrête le chauffage. Et bien, nous, il faut apprendre à, à vivre dans des mondes où il fait chaud et froid. Euh, et être capable de s'adapter de s'adapter aux deux. Donc moi je dis gens "Et combien de fois des fois je j'ai dans des réunions oui, il faudrait faire ça. Non non, il faudrait faire ça." Je dis "Mais faites les deux. Faites les deux. On verra bien euh, qu'est-ce qui marche." Il y a un truc très très simple dans sa vie euh, personnelle, dans sa vie professionnelle, quand on se pose la question est-ce qu'il faudrait faire ça Est-ce qu'il faudrait euh, faire ça Eh bien, et si on voit si on ne peut pas faire les deux Bien sûr qu'il y a des cas où ce n'est pas compatible, mais ce n'est pas la majorité. Il y a plein de cas où on peut faire les deux. Eh bien faisons les deux, essayons les deux. Apprenez. Euh, sortez de l'ignorance, allez voir ce que les autres font, euh, allez euh, visionner toutes les vidéos dont passe à l'acte, allez discuter avec vos voisins, allez discuter avec les gens euh, qui font des choses, allez voir et puis après vous déciderez si c'est pour vous ou pas. Mais allez voir d'abord, allez voir. Il faut se lâcher, si on en a envie, il faut, faut lâcher ses peurs. Euh, parce que souvent, les gens, ils disent, je vais pas y arriver, j'ai pas l'argent, j'ai pas le pouvoir, je suis tout seul. Ben non, oui, euh, t'es tout seul, vas-y. Euh, un papillon, il n'a pas besoin d'avoir des millions de papillons. Donc, il faut se lâcher, il faut y aller. Ça, ça c'est le premier truc. Et puis, tout le monde n'a pas forcément, la deuxième chose, envie d'être un papillon. Et là, moi, je dis aux autres, oh, t'as pas envie d'être un papillon, essaie de protéger les autres. Parce qu'on a tendance à écraser euh, les têtes qui sortent. Tous les projets qui sortent, tout est justement ces initiatives non non ça peut pas marcher je dis non non arrêtez arrêtez essayez de favoriser le truc je vous demande pas d'y croire je vous demande d'essayer et en résumé c'est soyez un papillon vous-même si vous en avez envie ou alors au moins essayez de protéger les petits papillons qui sont en train d'éclore partout quoi les écrasez pas faites attention là où vous marchez